Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Control pour la deuxième fois de la journée pour finir le second DLC et donc finir le jeu. Aïe, 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 aïe. On va voir ce qu'on arrive à donner sur ce jeu. Ah oui, je cherchais la dernière boule d'obscurité. Je suis en train de me dire. Ouais, juste là. Et voilà. Ça devrait lui rendre le sourire. Mais de rien. Ah, il fallait que je fasse le train. J'ai vu qu'il y avait un truc à faire avec le train. Bonjour et bienvenue à bord de l'Eagle Limited à destination de Chicago. Veuillez préparer vos billets. Passez un excellent voyage. Bonsoir à toutes et à tous. Et voici quelques morceaux pour ravir vos oreilles et détendre vos esprits. Juste avant un bon dîner, laissez-vous emporter par la musique. Prochain arrêt, Alton, Carlinville et Springfield. Je répète, Alton, Carlinville et Springfield. Vos billets, s'il vous plaît, vos billets. Donc, faut que je fasse quoi? Pas de vacances à moi, Ati. Il est trop fort cet Ati, moi je vous le dis. Rappel, la règle de 3.
Agent Guthrie, interrogatoire 4C relatif à l'incident Eagle Limited et son... Peut-être que je les fasse dans l'ordre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de l'Eagle Limited à destination de Chicago. Veuillez préparer vos billets. Passez un excellent voyage. Prochain arrêt, Alton, Carlinville et Springfield. Je répète, Alton, Carlinville et Springfield. Vos billets, s'il vous plaît, vos billets. Bien le bonsoir à toutes et à tous. Et voici quelques morceaux pour ravir vos oreilles et détendre vos esprits, juste avant un bon dîner. Laissez-vous emporter par la musique. Fallait le faire dans l'ordre. Donc d'abord, il monte dans le train. Ensuite, le conducteur lance, il contrôle les billets. Lui, fait de la musique avant de manger. Du coup, il mange. Il y a un problème avec le train, les passagers crisent, le train se crache. Excusez-moi, madame, votre billet ? Pas un voyage de tout repos, hein ? Mais j'espère que le cycle est brisé maintenant. Hey, mais c'est un tableau de moi. Moi je sens fatigué. Il suffit de la tirer d'un côté et de se barrer de l'autre. Thank you.
Oula. C'est un peu pas dans le bon sens par ici, non? C'est bien, il couvre les conneries. Bien du côté pour rejoindre la salle suivante. De choum après, on dit que le nom est bizarre. Oh, l'horloge. À part le regard détourné, ça fait quelque chose.
Il y a 5 bouquins, faut mettre 5 heures. Mais alors laquelle? La grande est sur et un peu avant le 2 et la petite sur le 10. C'est la grande ou c'est la petite? C'est la grande. Pas avancé beaucoup hein. Je suis dans le passage muté juste après. J'ai réussi à trouver le... Il me manquait un amas d'obscurité à détruire, j'ai réussi à le détruire. Là j'ai cette énigme là que je comprends pas du tout. Et je viens de repérer un truc sur la carte. Ah mais ça doit être l'ascenseur. Ouais c'est ça, c'est l'ascenseur. Bonsoir Roderick, comment vas-tu? Oh bah si tu vas bien, tout va bien. Viens me chercher petit. Ah. Tu risques pas de me trouver puisque je me barre dans l'autre sens. Donc comme je disais, j'ai cette énigme là que j'arrive pas à faire. Caché dans le mur. Tiens, je te détruis. Et puis là, il y a une horloge, mais il doit falloir l'arrêter quelque part, mais où? Je sais pas. Tiens.
C'est la question que j'étais en train de me poser. Est-ce que il faut faire les deux aiguilles l'une après l'autre ou... Pas grave, fais la suite. Wesh, tu viens d'où toi? À moi. Tu as 3 de capacité, mais il m'en faut 4 pour le prochain truc. Bon, qu'est-ce qu'il raconte de beau, Audric? Partout, c'est pas drôle. C'est eux, ils tirent sur les trucs aussi.
c'est là. Ah, il me faut les. Ah, purée, il me faut 4 cellules. Il nous faut un autre nœud de pouvoir. Sur quoi là? Il me restait un PV, putain. Mais il sortait quand, Audric? Je sais plus si je l'avais préco ou pas, moi. Ouais, j'avais pas dû le préco. Peut-être que si, je sais plus. J'ai préco 3 gros jeux il y a pas longtemps, mais je sais plus lesquels.
instinctive. Il est passé où mon truc? Il est là. Alors, où est l'interrupteur ? C'était aujourd'hui la sortie ? Ah, ok. Ok, faut que je retourne dans enquête active parce qu'il doit être monté au-dessus. Parce que j'ai activé les trucs, mais ils ont tous disparu. Couleur des opérations, ça doit être ça. Voilà. Ah. Non, c'était hier qu'il sortait, le 12. Enfin, sur Steam, il sortait le 12. Et non, je ne l'avais pas pris. Mais écoute, Ah, mais c'est pas du combat actif, c'est du combat tour par tour, tu dois choisir tes attaques à chaque fois. D'un seul coup, ça me plaît beaucoup moins. Ça me donne beaucoup moins envie d'y jouer. En tout cas, Audric, je compte sur toi, tu me diras ce que t'en penses.
Mais pourquoi il dash pas? Tout ça, ça me donne un sentiment de déjà vu. Envoyé, d'accord, mais je fais comment? Oh mais là je vais arriver là-bas, je vais me taper les mobs encore. Ça va me saouler. Ouais, mais on est d'accord que le combat c'est au tour par tour. Tu rentres dans un combat et tu choisis attaque, défense, blabla. Truc comme ça, Audric, non? Voilà une d'envoyer. Je suis désolé, Lynn, quand tu disais c'est quoi ce truc, je pense que tu parlais du grand mob, c'était le docteur Hartman, c'est le... Le méchant de l'histoire du DLC. Non, c'est en cours de service. C'est par là. Deux de fait, plus qu'une. Désolé les gars, pas le temps de m'amuser avec vous.
Moi aussi. Et de 3. Plus de mauvais karma en perspective. Enfin, en théorie. Mais comment cette lettre s'est retrouvée ici? Je me demande si je peux remonter à la source. On va voir si je peux remonter à la source. Non, c'est pas dans ce sens-là que je voulais aller. Je devrais peut-être suivre le tube. C'est donc toi qui envoies des spams partout. Et voilà un problème en moins. Fini le chantage paranaturel, mon bonhomme. Il reste une seule mission, normalement. Voilà. La mission finale. On a bientôt fini le DLC. Je vais être content de l'avoir fini parce que ça fait quand même un moment qu'on est sur ce jeu. J'y ai passé beaucoup de temps, mais et avec grand plaisir. Hein. Et puis d'un autre côté, je vais être triste parce que, ouais, effectivement, bah, j'aime beaucoup ce jeu. Parce que Langston il me parle de... Parce que là on dirait qu'elle est verte. Bon sang, ce qu'il est moche. Il a complètement arraché la porte de sécurité du site EAM de Bright Falls. Il est vraiment hideux, genre. Ouah, je l'ai bien regardé. Les ombres veulent cacher le passé pour me faire perdre. Il est vraiment bien amoché, on dirait. On dirait un vieux temps tordu par l'homme le plus fort du monde. Je les ai écrits. Un monstre d'un film d'horreur des années 80. Vous savez, avant les effets spéciaux. Répugnant. Très professionnel, Langston. Rappelez-vous, je vous entends pas. C'est pas grave, allez-y, pourchassez Hartman. Oh, c'est dégoûtant. Que les ombres absorbent mon pouvoir paranaturel. Alors que je trouve encore de la lumière. On va aller régler ça. Sur les yeux. Ah, je m'excuse la gueule, ça. Ah,
C'est à moi, mon petit. D'avoir un tas de sang sous la porte. Il me manque 4 points de compétence et je suis full. Merci d'avoir accepté cette entrevue, Dr. Hartman. Tout naturel, messieurs. J'espère que les informations que je vous ai fournies ont été quelque peu utiles. Infiniment, docteur. Vraiment. Nous avons une vision beaucoup plus claire des événements. Et c'est vraiment grâce à vous. Eh bien, il est tout à fait vrai que je suis un observateur. Nous avions une question, cependant. Si je me souviens bien, vous nous avez mentionné que vos patients affichaient, dites-moi si je déforme vos propos, des capacités hors du commun que vous avez encouragées lors de leur séjour au chalet. Ce serait très appréciable si vous pouviez nous en dire un peu plus. Bien sûr. Tout comme vous, je m'efforce de comprendre, voire d'infléchir les règles de notre paradigme terrestre. Le bien-être de mes patients était primordial, évidemment. Mais quel homme de science serais-je si je ne tentais pas d'atteindre à tout prix la vérité sous-jacente? Comme je l'ai dit auparavant par écrit dans mes messages, je pense vraiment qu'une collaboration avec votre organisation pourrait être dans l'intérêt des deux parties. Un partage, comme on dit vulgairement. Eh bien merci, docteur. C'est tout ce dont nous avions besoin. Rémi? Docteur Emil Hartman, vous êtes en violation des articles 4, 8 et 74 de l'ordonnance relative aux infractions criminelles du Bureau fédéral de contrôle. Quoi ? Mais vous ne pouvez pas ! Je vous ferai savoir que j'ai des relations ! Vous êtes en train de faire une grave erreur, mon ami. Vous serez incarcéré jusqu'à nouvel ordre, et vos biens seront confisqués, y compris le chalet de Cauldron Lake. C'est ridicule ! Mais enfin, vous ne pouvez pas vous en emparer ! Je suis citoyen des États-Unis ! J'ai des droits ! Et puis ce chalet est toute ma vie ! Je vous offre des années de recherche. Escortez-le. Vous faites une grave erreur, hein? Vous devez m'écouter. Vous devez m'écouter. Ouais, pas terrible. Bah, j'avais compris ça, Audric. Mais moi, c'est la question du système de combat, là, qui me choque. Si le système du combat est comme je le pense, je vais probablement pas prendre le jeu, en fait. J'ai écrit et réécrit. T'as vu Lynn ? Déconstruit et reconstruit. Alan Wake. Expérimenté avec des voix différentes. Changer le style et changer moi-même. J'ai oublié le langage et je l'ai réappris. Étais-je ici avant ? Ai-je voyagé sur ce chemin ? L'obscurité veut cacher le passé pour me faire perdre ma route. Il faut savoir où l'on était pour savoir où l'on va. J'ai confiance en ce que je dis sur ces pages. Je les ai écrites pour une raison. Mes notes à moi-même. La seule façon d'aller de l'avant, résumer, puis continuer. Quant au style, pas de graisse. Que ce soit clair, moche, fonctionnel. Présent, brutal. La vérité à nu, tranchée à travers la réalité, déchirée, réécrire. Être malin, qu'ils fassent tout le travail, créer l'image dans leur tête, ça vient d'eux, tu sous-entends, tu inities.
Le mystère les attire, les obsède. Tu prépares, et ils font le reste. Leur interprétation, et c'est la seule possible, car tu ne leur donnes pas le choix. Et ils y croient. C'est la leur, maintenant. Encore oublié. Ah, encore la noyée. J'avais un plan. Je le sais. J'ai oublié. Quoi que ce soit qui est en train d'arriver à Wake, il a clairement besoin de notre aide. Ok, l'obscurité. On a d'autres dans les autres chambres, je suppose. Quand j'aurai dépanné, j'aurai la clé. Et comme c'est pas moi qui éclaire, je peux tourner la vue pour pas lui faire exploser les yeux. Adieu. Oh, une clé. Comme c'est bizarre. Devint fou. Wake devait s'échapper. Écrire sa fuite. Il avait besoin d'un héros. Un héros a besoin d'une crise. Pour le chapitre avec une agence gouvernementale, il fallait à Wake quelque chose de spécial pour exprimer une présence étrangère imitant l'intelligence humaine. L'histoire veut plusieurs points de départ et des sources. Des sources qui devinrent une rivière, un torrent, puis un océan, comme celle-ci. Wake dut faire avec ce qu'il avait, les liens tissés, les personnes, même les lieux. Alors Wake l'est mis dedans pour faire plus vrai. Sa femme, le psychiatre, sa ville. Ses connexions comme des aimants bougent les choses. Alice comme catalyseur. Elle avait effleuré les ombres. La chose autrefois Hartman l'a sentie proche, sentit Wake en elle, devint fou, s'échappa. Wake avait veillé à ce qu'Alice soit déjà partie, à l'abri,
Beaucoup de sources doivent s'écouler pour qu'il puisse y avoir histoire, pour que les gens y croient. Cause et effet. Un travail extrêmement difficile, délicat. Il faut emprunter la voie de la moindre résistance où la réussite est possible. Là où un lien existait déjà. Wake sentit une pression dans sa tête. Devint fou. Wake devait s'enfuir. Écrire sa propre évasion. Et déjà dehors, il voulait l'affirmer. Wake avait besoin d'un héros. Un héros a besoin d'une crise. Pour la partie avec une agence gouvernementale, Wake voulait quelque chose de spécial, pour exprimer une présence imitant l'intelligence humaine. Quelque chose d'intraduisible. Traduit. Wake copia Burroughs, Bowie. Les phrases, les mots, peau d'orange, tu es le foyer, folie. Il les mit tous dans une boîte. Il les prit au hasard et écrivit un poème dadaïste. Il avait déjà tout essayé. Avait-il essayé ça? Bright Fall, c'est... D'accord, encore une réplique. Comme celle qu'ils ont fait pour Ordinary. Je me demande ce qui s'est passé ici. Envoyez un soldat à ma position. On y va ! Pas une petite lampe dans le coin. Là. Vas-y, viens, copain. Je t'éclaire le chemin. Ceci sont les notes du docteur Emil Hartmann. Je poursuis mon travail seul à nouveau, puisque certains ont été bien trop aveugles pour saisir une occasion en or. Et malgré mon offre généreuse, c'était peut-être pour le mieux. Le travail audacieux et avant-gardiste que j'entreprends s'accommoderait sans doute mal du carcan de la bureaucratie et des règlements. Ce n'est pas la première fois que j'ai essayé. Jadis, j'espérais qu'Alan Wake et moi puissions travailler ensemble. On aurait créé une œuvre telle que le monde n'en a jamais vue. Mais Wake était têtu, narcissique. C'est souvent le cas chez les écrivains. Décevant néanmoins. Maintenant, tout comme Tom avant lui, Wake a fini par disparaître dans Cauldron Lake. Et c'est là que mon travail prend un tour beaucoup plus tôt. Depuis sa disparition dans le lac, Thomas Zane a été aperçu à diverses occasions. Il est donc possible, même probable, que les personnes englouties par le lac n'aient pas totalement disparu. De fait, je m'attends à ce que Wake revienne lui aussi. Malgré une certaine rancune, je ne peux m'empêcher d'admirer sa détermination et son talent.
Ainsi, je suis forcé de constater que le lien et l'obscurité qui y résident ne sont pas aussi détachés de ce monde que je pouvais le penser initialement. Étant donné une connaissance substantielle sur ce qui m'attend, mes préparations excessivement rigoureuses et surtout mon éducation hors pair, je m'estime bien mieux armé pour confronter le problème que Tom O'Rourke. Je devrais être en mesure de traverser les ombres et puis d'en revenir tout comme ils l'ont fait. Maintenant, il ne reste que le plongeon, qui m'effraie, je l'admets. Mais c'est le fardeau constant des visionnaires. Pour conclure, je m'enfoncerai donc dans l'obscurité demain, avec seule la force de la connaissance pour mes parents. Ce sera une avancée capitale. À la prochaine fois. Ça me sort plein de trucs ultimes là. Dégâts des armes après élimination plus 100%. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Le tour! Experiment. Damn it!
Langston avait raison. Vous êtes vraiment pas bon à voir, Dr. Hartman. Vraiment l'esquiver en fait à chaque fois, sinon il te défonce. Clairement il te défonce, c'est un viol hein, complètement. Perforation. Ouais, on va tester avec perforation. Le temps de chargement moins 100, c'est clairement au moins 100% quoi. Ici la directrice. J'ai immédiatement besoin d'un soldat. Laissez passer la directrice! Vaut mieux que je lui fonce dessus en vrai, hein. C'est moins compliqué. Il y a encore des gens vivants sur le stream ou ils sont tous aussi morts que mon perso, c'est les deux derniers tailles que j'ai fait. Perforation ça va pas non plus. C'est avec charge. Envoyez un soldat, hors de la directrice. Les renforts sont arrivés.
Putain, j'aurais dû le tuer, j'avais plus de pouvoir, je suis con. Je le savais en plus. Donc tout le monde est mort sur le chat, c'est triste. Je vais reprendre prise. Hein. Envoyez un soldat à ma position. Les renforts sont arrivés. Tirer.
Ah putain, mais quand je fais ça, il m'explose à la gueule. Sauf que si je lui tire pas dessus, il explose le générateur, il se régène. Et il se reprend toute son armure. Donc au bout d'un moment, en fait, c'est soit je me le fais exploser la gueule, soit je le laisse se régénérer à l'infini. Je comprends pas, là. Je comprends pas. Ici la directrice Faden. J'ai besoin d'assistance immédiate. Pas quitter, toi, mais t'as l'air bien résistant. Hartmann ne sera plus un problème, Langston.
Mais le secteur des enquêtes a besoin d'un responsable. Intéressé ? J'ai vu ce qui arrive au gros bonnet, madame. Non, merci. Madame, quelque chose est apparu sur mon terminal. Une alerte d'EAM issue de Bright Falls, à Washington. Mais c'est peut-être une erreur. La date est erronée. C'est quelques années dans le futur. Et le bureau est verrouillé. On ne devrait pas recevoir de signaux. Peut-être qu'il était actif avant le verrouillage complet. Il y a des agents sur site. Laissez-moi voir. Agent Estevez est l'agent de terrain responsable de la surveillance du site. Donc elle devrait être là et nous informer s'il y a des changements dans la situation. Dommage, t'arrives presque à la fin, Lisa. Tout s'est mis en marche. Si l'alarme est juste, alors la raison de l'alarme l'est aussi. L'effet suit toujours la cause. Ça recommence. Un retour. Vous avez été prévenu. J'ai hâte d'avoir un jeu qui va mélanger. On gagnera tous ensemble. Contrôle, Alan Wake, etc. Ah oh, putain, ça va être le pire. Il y a une autre licence. Les gens qui ont fait Contrôle et Alan Wake voulaient lier trois licences. Donc il y avait Contrôle, Alan Wake. Bon là déjà c'est fait. Et il y avait une troisième licence qui voulait mélanger aussi, il me semble. Mais je suis pas sûr. C'est quoi ça? Ah, les dossiers. Les Alan Wake, je les ai jamais fait, mais du coup ça m'a donné envie, donc comme je les ai en plus, je les ai eu gratuits sur Epic, bah ça va pas tarder. Maintenant que j'ai fini Contrôle, on va passer sur Alan Wake, clairement. Et voilà, 45 missions d'effectuer, j'ai fait toutes les missions du jeu. Ce doit être ici qu'ils ont étudié Hartman. On dirait la cellule de Dylan. Je me demande s'ils l'ont aussi maltraité que lui. Réseau déconnecté. Donc ce que tu es en train de me dire, Rizor, c'est que le crossover serait entre Contrôle, Alan Wake et Quantum Break. J'ai eu un point de capacité, il m'en manque 3 pour être full de chez full et avoir tout. Alors, avant de se quitter,
histoire de tendre vers les 2 heures de stream quand même. Je connais pas. Si Quantum Break c'est une licence jeu de vidéo, je la connais pas. Ouais, je touche à tout, Rizor. Je touche à tout. Alors, les jeux que je vais pas toucher, ça va être les jeux qui sont PVP, parce que j'aime pas ça. Sport et course. Sauf Mario Kart, mais Mario Kart c'est plus de la course à ce niveau-là. Après, il y a des styles que je préfère à d'autres, c'est sûr. Hein. Tout ce qui est un peu plateforme, j'aime beaucoup. Là, Control, j'ai surkiffé. Hein. Quand je l'ai commencé pendant les vacances de Noël. En une semaine, je l'ai torché, l'histoire. Voilà. Si t'as des jeux à proposer, n'hésite pas. Alors, je pense pas que t'aies beaucoup de points de chaîne, mais... Mais n'hésite pas à proposer des jeux sur mon stream. Si le jeu je le prends, je le fais, j'accepte les points. Si je le refuse, je rends les points de toute façon. Alors, ouais, dégâts des armes joueurs et ennemis moins 85%, je suis pas d'accord. Hein, parce que la dernière fois que je l'ai fait, il me poutrait quand même la gueule. Hein, même avec moins 85% de dégâts. Ouais, la santé des ennemis plus de 100%, ouais. Ça, c'est... Non, ça va pas. Il est pas mal. J'aurais eu rotation à la place de perforation, j'aurais pris. Ah, j'aime beaucoup les Metroidvania aussi, hein, Rizor. Il faut pas que la santé. Pourquoi je peux plus faire le niveau 3 là? Je peux plus rien faire du tout. Ok. C'est quoi le délire? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en ce moment, je suis en train de faire Ori parce que je l'ai jamais fait. Je les ai achetés, je les avais jamais fait, mais je les fais pas en stream. J'ai des Metroidvania à faire en stream, mais là en ce moment, j'essaye de finir tous les jeux que j'ai commencé aussi. Donc là, je suis en train de finir Control. Va falloir que je finisse Crash Bandicoot 4. Warhammer Vermintide, le premier que j'ai commencé en coop. Starbound, un jeu très différent puisqu'il est en 2D. Starbound, c'est un peu un Metroidvania en vrai, dans son genre. Sauf que je le fais en multi, on le fait à 3. Donc Starbound, Crash Bandicoot 4, Warhammer Vermintide 1, Mario et les lapins crétins, et Aragami 2. J'ai 5 jeux en... Alors, je vais te décevoir, Rizor, mais Aetherian Noctis m'a pas plu. Je l'ai essayé, j'ai joué, j'ai avancé... Et... Il m'a saoulé. Les zones sont beaucoup trop grandes par rapport à l'histoire du jeu. Je trouve ça beaucoup trop grand et j'ai pas galéré. Hein. C'est vraiment que j'ai trouvé les zones beaucoup trop ennuyeuses, beaucoup trop longues.
J'ai eu un bug sur le jukebox, je peux plus le faire. J'étais arrivé jusqu'au niveau 3, je suis triste. Directrice ? Sinon, en vrai, la maniabilité d'Aetherian Noctis, j'ai adoré. Tu rebondis sur un ennemi, tu récupères ton double saut, etc. Tu récupères le dash, les machins, etc. J'ai adoré, vraiment. Mais voilà, les zones sont beaucoup trop longues, ça m'a pas plu. Rien que le premier donjon, là, où il faut monter tout en haut de la tour pour buter le mob. Mais c'est insane, en fait. T'avances, tu regardes. Et putain, j'ai fait 10 mètres, il y en a 150 à faire, quoi. C'est abusé. Bon, j'ai un bureau à gérer. À bientôt. Oui, madame, directrice Faden. Il n'y a pas. Oh non, Emily. Je vais te détruire la pyramide. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre contrôle 2 puisqu'ils ont lancé la prod. Bien ici, directrice. Pour les niveaux 6, il me manque des trucs, ça me saoule. Mais non, je suis bête, c'est que je dois plus avoir de jetons. C'est pour ça que je dois pas pouvoir faire le truc là-bas. Je vais aller voir tout de suite. Sinon j'ai oublié. Biogun. Et effectivement il y a la démo. On dirait que t'es un espèce de cochon. Attends, mais sinon je vais te dire, là, tiens, tant que je suis sur mon Steam. Alors, les Metroidvania que j'ai à faire. Enfin, que je veux essayer de faire d'ici pas très longtemps. Est-ce que j'en ai listé au moins ? Il y a Wonder Labyrinth, les Chroniques de Lodos. Il y a Slain, Back from Hell. Ah, celui-là, c'en est pas un. Ah, j'ai commencé Subterrane aussi, c'est un jeu totalement différent. Il y a ces deux-là que j'ai prévu de faire dans un avenir assez proche. Il y a les Bloodstained aussi, Curse of the Moon et Ritual of the Night. Ouais, je les lis dans l'ordre où ils sont sur mon Steam. Je sais plus. Faudra que je vérifie dans quel ordre il faut que je les fasse. Parce qu'après, dans ceux que j'ai déjà fait, il y en a un paquet aussi. J'ai fait Alois Awakening, Alois Legacy, Axiom Verge, Astalon, Blasphemous. Blasphemous, c'est le dernier Metroidvania. Que j'ai fait en stream. J'ai fait tous les Castlevania, les derniers qui sont sortis, mais ça je les ai fait il y a un bon moment. Cyber Shadow, j'ai fait.
C'est que le Everblade. Everblade, très bon jeu aussi. J'ai un peu galéré sur la fin, mais j'y suis arrivé. Tac, 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 tac. Darklight, ça me dit quelque chose. Inexistence, j'ai fait. Très bon Metroidvania aussi. Mini Ghost et Ghost, c'est des Metroidvania qui sont très très bien, je les ai fait en stream. Nuclear Blaze. Alors là, c'est un Metroidvania mais qui est un peu guidé quand même. Il y a moins d'exploration. On s'améliore comme un Metroidvania, mais... Il était sympa, mais il est très bien, il est à faire en vrai, mais après il n'est pas ouf non plus. Return, ça c'est pas du Metroidvania. Yeah. Spaceport, hop, mais je l'ai fait il y a très 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 longtemps. Ah, tout Luna Knight. Je l'ai fait il y a quelques temps aussi. Très très bon Metroidvania. Whispering Willow. C'est un Metroidvania aussi. Pour moi, c'est un Metroidvania puisqu'on s'améliore au fil de l'aventure. C'est à peu près tout dans tout ce que j'ai fait. Mais ça fait déjà pas mal, hein. J'en ai peut-être fait en coop, ça m'étonnerait, j'en ai pas trop. Monster Boy, que j'ai fait, Song for a Hero, alors non, c'est pas un Metroidvania celui-là, mais il est excellent aussi en 2D plateforme. Voilà. Donc je viens de comprendre qu'en fait, du moment que je clique, ça me consomme mes 5 jetons. Alors, dégâts des armes sauf brisure, moins 75%, j'ai plus 100% de santé et les ennemis sont plus précis. Allez. Je voulais absolument me faire un jukebox avant d'arrêter le stream. Sauf brisure. Alors, brisure. Gêné lui. Oh. J'en ai un là. Thank you.
Voilà, voilà. Donc, Rizor, bienvenue à toi hein, sur ma chaîne. Comment tu m'as découvert, d'ailleurs, Rizor? T'es venu par le biais d'un autre streamer qui a parlé de moi, ou des recommandations, ou tu cherchais quelqu'un sur contrôle, tout simplement? J'allais me faire défoncer. Il est super mal placé celui-là, c'est chiant. Allez, il me reste 22 minutes là. Mais je suis déjà mort. Non mais c'est abusé hein. Vraiment là, les dégâts que les mobs nous font, c'est vraiment abusé. Je le disais dans le DLC, il n'y a aucun moyen d'augmenter l'armure ou quoi que ce soit. En train de se battre contre le mec que j'ai invoqué. Putain, il vient me défoncer. C'est bon, j'ai réussi. Je suis complètement mort, mais je m'en suis sorti. J'ai
trésor, je pense. Ah putain. C'est vraiment trop chiant. En plus je peux pas utiliser mes armes là. À part brisure et brisure, c'est un pompe. Putain. Je rêve pas cette fois-ci, je suis... Je m'en suis mieux sorti que ce que je pensais. Et l'endroit le plus chiant.
quant à moi. Mini-boss en tant qu'allié. Oh, je suis en train de récupérer des PV, le mec il arrive à me tuer plus vite que je récupère les PV qui sont au sol quoi. C'est pour ça que je dis que je déteste cet endroit. Faudrait que je commence par ça en premier, et si j'y arrive pas, je peux abandonner, quoi. Mais non, je le garde toujours pour la fin. Non, des fois je garde l'autre, celui que j'ai fait avant, pour la fin. Comme hier. Mais là, il y a le combat final après à faire aussi. J'ai voulu commencer par le niveau 10 aussi, forcément, enfin par le mini-boss, mais il m'a spawn dans le dos, et j'étais bien obligé, et il y en avait un autre de l'autre côté aussi. Le problème de cet endroit, c'est que t'es vraiment en plein milieu, et tout le monde te spawn autour. Et je comprends pas comment peut y avoir autant de chargements alors qu'on est en plein milieu d'un event.
qui reste, c'est le pire. J'ai réussi. C'est un miracle. Alors, est-ce que je vais arriver à finir ce jukebox et avoir la dernière tenue qui me manque ? Enfin, je sais pas si c'est la dernière, mais... comme je pense avoir tout récupéré. Ah mais je sais même pas ce que c'est que ces salauds de prix. C'est des mini trucs, mais on, en fait ils sont pas invisibles, mais ils arrêtent pas de te stun avec leur putain de vague là. J'espère que je vais pouvoir y arriver, parce que là il faut que je recommence tout le combat hein, final. Il me reste 3 minutes, ça va être short.
Yes! Je suis arrivé à faire le niveau 3, et ça c'est cool. Ah, j'ai même eu un truc niveau 6, hein. Et nous voilà de retour au bureau. J'ai récupéré des jetons pendant la baston. Mais je veux voir la nouvelle tenue. Sympa, mais je préfère ma tenue asynchrone. Hein. Voilà, mais tous les trucs niveau 6, c'est dans les fondations. Ça, par contre, ça me gonfle. La directrice a réussi sans problème. C'est une énorme victoire. Énorme. Je crois qu'elle a sacrifié l'âme de son frère pour sceller la dimension du bis. Mais de quoi tu parles? Je t'ai déjà dit 100 fois d'arrêter avec tes conneries de conspirationniste. C'est dans le secteur des enquêtes carrément là. La petite mission que je viens de débloquer là. À moi. Toi aussi, t'as moi.
Putain, mais pourquoi je me prends toujours des roquettes dans la gueule? Des pneus qui se baladent. Il y a encore des pneus qui se baladent. Ça te va, ça? C'est bon, je vous ai assez calmé. Je les ai assez calmés apparemment. Je reviens toujours à l'exécutif central auprès d'Emily Pop, notre éminente scientifique. Et voilà, ce stream marquera la fin de Contrôle. Premier du nom. Le 2 n'est pas encore sorti, il est seulement en prod. Et je kiffe mes oreilles de chat. Désolé. Je vais mettre comme ça. Ah non, pas comme ça. Tenir synchrone, s'il te plaît. Voilà. Alors, qui est-ce que je vais vous raid? Est-ce qu'on vérifierait pas s'il y a quelqu'un sur contrôle? Quelques Français sur le jeu quand même. Lui il est vraiment au tout début. Mec, il est à la fin du jeu, il a 20 fois moins de points de compétence que moi, il a pas fouillé. Hein. Bon, bah ça sera pas lui.
je vais vous faire un petit raid chez Big G Live, qui commence l'aventure, et enfin il l'a commencé il y a 50 minutes à peu près, je suppose. Bon, on va lui faire un petit raid. Oula, c'est flou. Pourquoi c'est flou? Dis-moi, Lynn, si t'as quelqu'un, vas-y. Et dis-moi comment as-tu trouvé la fin du jeu. Et je suis allé faire un tour sur Minecraft aussi. Entre mes deux streams sur contrôle. Ouais, je sais, ça n'a rien à voir, mais j'avais envie de le dire. Alors Lynn, c'est qui ton quelqu'un que tu as? Ouais, non, pas sur, pas sur Rainbow Six. Ça aurait été un jeu sympa, je l'aurais raid, mais sympa la fin. Ouais, la fin. Puis t'as vu, t'as des petites vidéos d'Alan Wake de temps en temps. Je peux repasser si tu veux. Aucune mission de toute façon, parce que là tu vois sur le ah, bon, c'est pas grave, si tu veux je te les restreamerai à l'occasion, Lynn, au pire tu me le dis si tu veux, je te les restream. Sinon tu regardes les deux rediffs, hein, celle de cet après-midi, celle de ce soir, tu les as les vidéos. Hein. Voilà. Bon, eh bien, je vais vous raid chez Big G Live. Merci à tous, donc merci Lynn, Audrey, Grisor. Qui est-ce que... Non, il n'y a que vous trois qui êtes passés. Merci à vous trois d'être passés dans le chat. Merci à tous les autres qui sont passés en lurk. Merci Grisor. 63 pour le follow. Un magnifique petit follow venu du 63. Sauf si c'est juste un chiffre pour le bonheur. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain stream. Des bisous.